les pièces d'équipement. Il y en a qu'un pour l'instant qui est sorti, on est d'accord? Non, il y a quatre, enfin, il y a quatre boss. Il y a quatre boss? Oh ouais, la régalade. Bon, on va first try les quatre boss. Hein. Oui, normal, là, on est avec des gouttes, là. Non, mais même sans, les gens disent dans le chat que c'est moins dur que les extraits, mais que ça se first try en pick-up. Ok. Ok, ok, bah, ça va. Après, les extraits, après, au pire, après. Petite session farming de monture, là. Mais moi, je peux pas. Je t'ai dit, à 17h30, je dois partir. Putain, c'est vrai. Après, c'est fine, en vrai, 2h, c'est bien. Tu pars ou pas? Non, je sais pas pourquoi. À 18h, il y a leur vedette sur Pokémon Go. Ah ouais? Ouais. Attends, mais du coup, tu vas refaire de la compète Pokémon Go, là? Bah, je sais pas, ouais, je suis retombé dedans un peu, là, à cause de ma meuf. Du coup, là, tu le balades des fois en ville et tu vas aller farm des Pokémon Bluff. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Ouais. Vas-y, je suis cool. Ce week-end, j'ai pas stream pendant 3 jours parce que c'était le GoFest. Tu es vraiment ce geek, hein. Faut aller chercher où la quête d'ailleurs? Solution 9 ou pas? Ouais, solution 9, ouais. Pourquoi je peux pas t'inviter? Classique. Mais je crois que c'est parce que c'est sur un autre serve. Après, je peux changer de monde, ouais, je suis pas sur votre monde là actuellement. Bah, après, on est déjà en équipe intermonde. En vrai, je sais pas. Mais non, tu devrais pouvoir alors. Alors, elle est où la quête? Ça doit être une quête bleue, j'imagine. La quête bleue, le nouveau challenger de l'Arcadion. Allez, c'est parti. Tu drops pas de stuff dans le raid, tu drops des tokens et les tokens tu les trades au PNJ. C'est okay. Un loot par normal. Ok, ça va alors. Ok. Donc là en faisant les 4 boss, on a 4 pièces ou je dis de la merde? Bah normalement oui. Après peut-être que tout le monde loot pas un token en vrai. Ouais. Non, par contre les totems de l'extrême là, le deuxième j'en ai laissé 5 pour avoir une pièce d'équipement, je suis trop con. J'en ai eu 24. Ça aurait mis bien. Plus que 75 fois l'extrême à faire. Ouais bon. Ouais, on y est pas, j'espère quoi. J'espère bien que je vais pas devoir le faire 99 fois pour la moute. Après, je pense que si, hein. Tu sais que j'ai farm la monture Rathalos, un vieil extrême à l'ancienne. Je l'ai fait 50 fois, et je l'ai pas une fois la monture. Donc j'ai dû le farm avec les écailles. Non, hors stream. C'était, okay. En plus, c'était un vieux mob que tu one shot, tu vois. Ok, ok. C'était pour te changer les idées de votre défaite contre Game Ward? Absolument. Putain, cette défaite de con, frère. J'y crois pas qu'on ait perdu cette game. J'en reviens toujours pas. Vous êtes encore en danger là du coup cette semaine? Oui. C'est ça qui fait chier. D'accord, je suis vraiment désolé. Hein. Mais si vous ne vous qualifiez pas en playoff et que vous faites pas les EUM avec le format actuel, vous allez être la risée de la LFL. Ah, je sais bien, je sais bien. Hein. C'est terrifiant. En vrai, je sais pas à quel point les viewers sont impactés par ça, tu vois. Si, quand même. Non, on est giga impactés, j'imagine que les viewers aussi, hein. Après, je pense que ça devrait passer tranquille. Mais ah ouais, moi aussi je pense. Mais vas-y, Game Ward, en fait, le problème c'est qu'on sait pas. Game Ward, à chaque fois, ils sont pas ouf individuellement, mais en team ils jouent bien. Et du coup, s'ils font 2-0 week, on est potentiellement dans la merde. Mais je crois que vous avez. Bah, je crois que vous passez. Si vous passez pas, hein. S'ils font 2-0 et que vous faites pas 2-0, vous passez pas. On fait une win, on passe. Bah, pas sûr. Si, 100%. Bah, non, parce que c'est. Tu sais, si vous êtes à égalité, genre s'ils font 2-0 et que vous en faites 1-1. En fait, s'ils font 2-0. Qu'on fait 1-1, on est forcément égalité avec soit Géo soit BKR parce qu'ils battent BKR ou Géo. Et en free white tie, on passe. Donc avec une victoire, quoi qu'il se passe, on passe. Ok. J'avais pas le BKR et Géo. C'est mais ça. Géo, je crois que vous jouez contre eux. On joue contre eux. Et eux, ils jouent contre Géo aussi. Jour 1, ils jouent contre Géo et vous jouez contre Géo jour 2, je crois. C'est ça. Et eux, je crois qu'ils jouent contre BKR aussi deuxième match. Donc c'est aussi ce match-là. Donc en gros, si Game Ward perd contre BKR, tu vois. On passe devant, okay. Tu vois. En fait, c'est ça, c'est le match Game World BKR qui fait que si on fait une victoire, on passe. T'as la quête? Ouais, je suis en train de parler au PNJ là. Vas-y. En vrai, j'espère que vous passez quand même parce que no cap. J'ai rien contre Game World, tu vois. Mais en vrai, la structure apporterait pas grand chose en EUM. Ouais, alors que nous, c'est le spectacle. Bah, en vrai, c'est même pas forcément en termes de gameplay. Enfin, je pense. Votre équipe a plus de potentiel, mais il y a aussi le fait, tu sais, genre tout le délire, les à côté, quoi. Les supporters, oui, on est sur les réseaux et tout, ça a beaucoup plus de value pour la LFL que Solary passe par rapport à Game Ward. Enfin, ouais, Game Ward, je suis désolé pour eux, mais ils ont vraiment pas de fans, quoi. Ils ont les Gobinours, quoi. Ils ont les Gobinours, c'est vrai. Quel Gobinours? C'est réel, ils ont les Gobinours. Oui. Aspect à Gob, hein. Je crois qu'il fait toutes les games en plus, non? Il fait pas des. Je crois qu'il faisait des games, il faisait même les Open Tour et tout, hein. Enfin, il co-caste, je crois. Il co-caste les games. Ouais, il co-caste des games et tout. Le good. Pour échanger certains objets avec Iwi à solution 9. Là, j'ai la combattante féline aux griffes acérées.
Ouais, c'est ça. Et ça, après, ça va te mettre accomplir le raid. Trop bien. Et du coup, dans le raid, il y a 4 boss. Ouais. Les 3 premiers sont plus simples que le dernier, j'imagine. Toujours comme ça. Et c'est les viewers, c'est quand le sadique? Le sadique, hein, quand on va essayer de faire le sadique, on va se faire farm le cul. Je pense que c'est semaine pro et c'est le 30. Putain, j'aurais commencé le sub-bâton. Oh, comment ça va sans. Oh là, ça va enquiller des raids. Hein. Ah, je suis chaud, vas-y, c'est bon, j'ai débloqué le raid poids 1000 lourds, CCA, match 1. Vas-y, c'est Tsuba qui a le lead. Tsuba, je sais pas si Tsuba va venir en vocal. Après, on a pas besoin, je pense. Hein. Go juste mourir en boucle sur le truc. Attends, les bijoux et tout. Les bijoux, ça va être solo. Et les deux bots. Attends, mais comment ça, deux bots? Pourquoi deux bots? Ah oui, j'ai deux pièces de pied. Ah oui, j'ai Bray et Cussarn. Okay. Allez, en route. Et moi, je dois loot quoi, Tsuba? Je lui demande si ça marche comme les mémos. Non, il y a un PNJ à qui t'échanges les tokens, comme ok, ça. Ok, ouais. Genre, je me rappelle, quand on avait fait les raids, tu lootes des genre, je sais pas, une pièce de cuivre. Je crois le raid de la fois d'avant, c'était genre des pièces de cuivre pandémonium, c'était genre, je crois, c'était des pièces ou un truc comme ça. Et du coup, t'es toujours pas passé picto, là, Roba, là? Non. OMG, hein. Roba, le meilleur picto de l'histoire, hein. Non, en vrai, je chill sur Invoke, mais je sais pas, je verrai, à un moment, je me taperai une déter. Hein, ouais, je suis monté une nouvelle classe. Parce que moi, je voulais monter Viper, mais en vrai, où je passe de 80 à 100, que je réapprenne les rotas et tout, c'est galère. Hein. Je sais pas, si Square Enix nous fait refaire une OP ou un truc où on doit level up. J'avoue, monsieur Square Enix, à tout moment, nous, on est chaud, hein, y a pas de problème. Hein. Nous, on aime bien jouer. Hein. Regardez, hein, on a farm de l'extrême ici, off-stream. Hein. Bah, en vrai, oui, hein. Même sans OP ou pas, juste le jeu est vraiment bien. Il faut un MMO dans ta vie pour être heureux. Je jure que le MMO c'est trop bien dans ta vie. Après là il y a Pokémon Go du coup. C'est un peu MMO mais de la vraie vie quoi. Il te faut 2 gants et 2 bottes, week 1. Vas-y, ça part tout bas. Ah mais il m'a remis lead. Ouais. Et Mulligan Black, la Rota Viper est simple de ouf, oui, mais en vrai, est-ce que c'est aussi marrant que Samurai? Parce que Samurai, c'est marrant à jouer. J'aime bien jouer Samurai. Du coup, après, il y a le Sadik. Et je crois qu'une fois qu'il y a le Sadik, faut attendre, je crois, 3-4 mois avant qu'il y ait les 4 prochains boss, je crois. Ok, ouais, ça prend un peu de temps si après, je quoi. Pas de conneries. De toute façon, c'est comme ça, ils ont là un peu leur cycle sur les extensions et c'est cool. Attends, je vais regarder la cinématique vite fait. Ok, c'est un truc comme ça, l'arène, je pensais pas que ça allait être ça. J'ai l'impression que c'est genre, on est dans un ring de boxe. Bah c'est ça, vu que c'est poids mi-lourd, je pense que c'est ça, en fait, c'est considéré comme un combat. C'est ça, non, le boss. Mais on est 8-20 là contre... Ah ouais, 8-20 contre la petite meuf là. C'est... Faut cette fraude. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Il va se transformer. On va l'arracher. Elles sont du genre. Voici notre jeune et féroce combattante qui réduit ses adversaires en charpie avec ses griffes insérées. Ok, on a un peu mal parlé d'elle quand même. En vrai, il y a un petit flow. Faut attendre 8 mois avant le prochain sadique. 3-4 mois, c'est le fatal. Ok. Ouais, fatal, c'est ultimate. Ouais. Après, c'est ça, le truc ultimate, qu'on fera peut-être pas, bon. Quoi. Besoin d'un décompte, mais non, pas besoin d'un décompte là. Ah ouais, ça part comme ça. Oh ouais. Black Cat annonce la couleur d'entrée de match. Est-ce que notre challenger saura résister aux assauts de cette féroce combattante féline? C'est ça, c'est un Red Wide. Eh, je vais essayer de faire attention aux mécaniques, mais... Ça devrait aller quand même. Oula, ça a l'air d'être de l'autre côté là. À gauche. Ouais, ça a l'air d'être à gauche, puis à droite. Et après à droite. Pouah, c'est tellement easy, j'en reviens pas. On est vraiment les experts de jeu, hein. Ok, gauche, un 2, encore une fois. À gauche, à droite, à gauche. Ah, c'est trop comment je suis le goat. Ah, j'ai évité tous les spells, je suis vraiment le goat, j'ai pas pris de malus pour l'instant. Après c'est le premier spell qui Oula, ok, là ça va faire une croix, faut être derrière. Ouais, j'imagine. Non. J'ai failli le prendre. Bon, là, tu étends. Non, mais c'est bon, je l'ai pas pris. Oh, je l'ai pris. Tata Voilà, je le dis, je pense que je l'ai pris.
Bon, je cherche même pas, moi. Je cherche même pas. Le mec, il en a rien à foutre. Maruta est parfaite, hein, voilà, je le dis. On n'a jamais vu un tel DPS hein, sur ce boss. Personne oui, bon. Ne résiste à mes ok, là-bas devant. Black Cat prépare une technique spéciale. Mais y'en a des trucs, hein. Je crois qu'on peut rester là, aïe. Il fait free. Hein. J'ai pris à l'aide. Une. Attendez. What the fuck? Attends, mais ça a pété le truc. Ouais, ça a pété le truc. Donc, si tu te trompes, tu es finito. En vrai, c'est vraiment stylé quand même. Ok, il recrute le terrain, c'est bon. Il prend un vilain coup quand même. Elle va aller de l'autre côté, je sais pas s'il faut y aller, je pense pas. Hein. Ah. Je comprends hein, ce qu'elle fait faire, voilà. Alors là, j'avoue que je capte pas ce qu'elle fait, mais. Elle chill un coup, hein, je crois, elle fait des trucs sur les tanks. Elle va péter un truc là-bas. Si on se met là, on est bien. Elle sélectionne des zones qu'elle détruit. Ouais, je pense qu'elle saute sur la zone et elle détruit le truc. Ou alors elle pousse un mec, non? Elle pousse un mec dans la zone, non? Ah oui, c'est ça, elle pousse un mec et du coup, le mec, en se faisant pousser, il affaiblit le truc. Oula. Un petit. J'ai peut-être suicisme un peu tôt. Oh les gars. Personne sait faire pousser les goats. Ça, je crois que c'est. Red Wide. Ouais, j'ai mis ma réduction, je suis le goat. GG, mec. Non, c'est trop comment je suis le goat. C'est abusé comme on a trop. Elle est déjà 50%. Ah ouais, regarde ça, c'est okay, grâce au goat du DPS. Elle passe en P2 là. Attends, là, elle va faire des gros AE devant, à droite, ok. Attends qu'elle tape là-bas, on y va. Ils ont tous l'air de bouger là-bas, frère. Quand tu sais pas comment ça se passe. Ouais, tu vas là. Aïe! Tu suis Tsubasa et c'est fine, hein! Et après, elle va aller là-bas et après, on peut y aller. Alors. J'ai pris un petit coup quand même. C'est tellement le goat. Oh là là, y'a personne qui overlap et tout. Oh là. Non, ici, ça joue quand même. Ça, c'est un petit groupe qui joue un peu au jeu quand même. Les mecs, H24 sur le jeu. Je me connecte la dernière fois, 3h du matin. Je leur dis go extrême, ils me disent quoi? Go. mais je trollais, je rigolais moi. Je me rappelle c'était après être rentré des Solar Days. Oh wesh, toi. Wesh, tu mords. Ok, j'ai capté. En fait elle met une épée au sol, ouais, elle se fait, elle sert de l'épée. Ok. Ah ouais, putain, je me suis baisé. J'ai rien capté, attends mais là je suis mort là, si je me fais pas heal. Je me fais arracher. Ok, j'avoue que la mécanique avec l'espèce de lame en plus, j'avais pas trop capté. J'avais pas la data là. Je mets ma réduction sur son Red Wide. Non, je suis tellement le goat, c'est trop. mec. Ah les timings, enfin première fois sur le boss, je suis là, goatesque. Ah, j'avoue que moi elle a commencé à décaler, je m'attendais pas à cette décale. Elle va péter ça. Attends, est-ce qu'elle se déplace encore? Non, ça va. Une fois qu'elle a tapé sur le premier carré, on est, elle retape pas dessus encore. C'est bon après, tu te mets là, elle retape plus jamais ici. Ouais, c'est free. Hein. Tellement smart, c'est une dinguerie. Ouais, bon, c'est écrit au sol quoi, mais. ouais. Il est temps que je fasse appel à un double. Double félin. Oula. Ouais. Attends, là ça va être relou là, non? Oula, il y en a en face, ok. Attends, mais pourquoi j'ai le truc du tank là? Il y en a plein qui veut le prendre, tiens, je peux pas le donner là? Je peux faire quoi moi? Oh non, elle va m'envoyer dehors. Ok, ça m'envoie sur ça. Ça m'envoie sur ça. Ok, nickel, tout est calculé. Là, je pouvais baiser tout le monde, voilà, je le dis, je pouvais baiser tout le monde là. Mais le mec avec son lien qui reste dans le raid, c'est un cafard non? Non, ça va, parce qu'après il va partir derrière après. Ah, mais je pensais que ça repoussait tout le monde du coup. Mon rêve, hein, que toi tu prennes le truc, hein. T'as pas pris la méca encore? Non. Tu peux tous nous run down, non? Et pourquoi? En fait, si jamais tu te mets dans le truc et que tu fais en sorte que le rebond atterrisse sur la case du milieu sur tout le monde meurt. Je suis tellement le goat.
de choc en français. Enfin, c'est... Ouais, bon. Un peu chiant à quel point je suis le goat quand même. C'est vrai que là pour le coup, t'es le goat, t'es pas mort. Je suis dégoûté, je suis mort. Bon. Ouais, non, c'est un peu chiant. Un peu chiant d'être autant le goat quand même. Mais bah, j'étais éteint. Putain, mais c'était en train de j'arrête de se déjà clear en fait. Oh, mais ça va. Ouais, c'est trop cool. Ouais, ça va, ça va. En vrai, il est stylé le boss. J'ai bien aimé le délire des plateformes avec le côté un peu catch. Je pense en sadique, ça va être un peu XD, ouais. Oui, ça, je pense que je le mets dans un niveau un peu supérieur, je pense qu'on se fait arracher. Attention, ça dit que ça va pas être clear la première journée. Quoique, je crois que les meilleurs guilds les meilleurs, oui, là, clear le premier jour, mais bon, on n'est pas dans les meilleurs guilds. On n'est pas dans les meilleurs du tout, non. Après, je crois que la meilleure guild est française. Hein. Ah ouais. Ou européenne, en tout cas. On m'a dit qu'elle était européenne, ouais. Mais je crois qu'il y a des bonnes guilds françaises, de ce que j'avais compris la dernière fois. J'ai eu des mémo quartz à la goa. Attends, est-ce qu'il y a du stuff pour moi? MJ? En tout, non? Bah, il me faut quoi? Moi, c'était quoi qu'il me fallait? Je sais pas, wesh. J'ai besoin surtout, frère. Mais non, fais pas. Mon gars, bonne chance à toi. Bonne chance à toi, Robin, frère. C'est... Je crois qu'il me fallait des gants et des bottes, c'est ça? Moi, il m'a dit bottes. Tu peux en prendre que un par boss, donc misclique pas. Ah ouais? Un ah, merde. Par boss. Je prends quoi de Tsuba? Or qu'un item par semaine. Ouais, je commence un item par semaine. Attends, du coup, il faut pas que je prenne casque. Il m'a dit gants et deux bottes. Mais je sais pas quoi prendre là en fait. Bon. Ouais, attends, il faut Tsuba nous dise, deux là. Gloves et deux boots. Attends, mais ça veut dire quoi ça Tsuba? Genre là je prends boots là? Tu prends les holo chausses? Ah ouais? Enfin, armure, j'imagine. Holo talon, il te faut des 4, il te faut des 4 fragments. Les autres items, il n'en faut que 2. Soit boots, soit gloves. Bon, je fais bottes. Ok, bah je fais gants. D'accord. Alors. Je fais gants. Bon, il m'a dit il me fallait gants, je crois. Ah non, il m'a dit bijoux et 2 bottes, merde! Ah non, c'est accessoire du coup. Je vais passer sur le reste. Il m'a dit bijoux et 2 bottes. Fais passer sur les bottes, d'accord, par pitié. Attends, moi il faut que je sache parce que moi aussi j'ai peut-être besoin de boots. Mais tu prendras au prochain. C'est vrai. Ouais, je te le passe, c'est bon. J'ai passé les boots. En fait, si je quitte, j'ai peur que ça te mette automatiquement un truc dont t'as pas mis besoin dans le chat. Attends, je vais mettre besoin. D'accord, peut prendre le bijou là. Lequel bijou? C'est accessoire du coup? Probablement, ouais, Tsuba m'a dit ça. Ok, j'ai eu bijou. Ouais, c'est bon, et après c'est tout. J'avais fait 95 sur le bijou, dans tous les cas, je l'aurais eu. Ok, c'est bon, j'ai eu bijou. Quitté. Je lance le deuxième. Ah non, mais faut qu'on débloque le deuxième. Et du coup, il y en a 4 à faire. Et on peut faire qu'un item par semaine, mais comment ça, un item par semaine? C'est abusé. C'est super long. Mais non. Les bottes se lootent pas sur le troisième étage, donc fais bien attention à prendre les bottes sur le deuxième ou le quatrième. Ok. Du coup, faut que je prenne les bottes sur le deuxième. Et moi, je prendrai sur quatrième, du coup. Ok. Attends, mais moi, il me faut 2 bottes, et toi aussi? Ouais. C'est perdu, la team. Après, moi, il me faut... Attends, mais il me faut bijoux et 2 bottes. Moi, c'est qu'il n'y a que 3 bottes. Bon, bah là, on va se battre sur le dernier, je te le dis. On va devoir se battre sur le quatrième, je crois. Hein. J'imagine, hein. Et du coup, je suis obligé de me battre avec... On pourra en refaire un? On le fait tout simplement. Ah ouais, mais juste tu prends pas de loot en fait. Tu fais passer sur tout et on en refait un, en fait. J'imagine c'est ça. Tu peux ne pas prendre l'item et retenter. Ok. Ouais, c'est ça. Genre on en laisse un. Enfin, il y en a un qui passe, l'autre qui prend et puis on refait le boss et du coup tu prends quoi. Il faut ah oui, il faut tout, juste quoi, que je passe sur le deuxième. Ouais, en gros c'est ça. Ok, vas-y, bah je passe sur le deuxième. Puis on fait 2 fois le deuxième, c'est fine. Non, on fait 2 fois le quatrième. Oh, si tu veux, hein, c'est pareil. Attends, je suis en train de regarder la cinématique vite fait là. De Black Cat. Moi, je regarde après. Okay. Oh. Bon, vas-y, attends, 2 secondes, je lui parle vite fait. Voilà. 1h30, je pense, on a large le temps de faire les 4 boss.
Il y a aussi moyen qu'un étage drop 2 tokens de bot. Oh, bah, c'est magnifique ça. Prankex. Je pense Prankex. Hein. Ça arrive. Hein. C'est comme les fameuses montières sur les extrêmes, hein. Jamais vu. Hein. Ok, c'est bon, j'ai débloqué le niveau 2. Non, t'as pas débloqué, c'est faux. Ah, si. Oh, je suis en place cinématique, là c'est bon, la silence. Voilà, on est parti. Je crois que ça corse toute la gueule du monde, les gars. Oh my bad. Désolé du coup, hein. Non, par contre, en vrai, les boss ont quand même beaucoup de patterns qui se ressemblent. Genre la gauche, droite et tout. Ouais, c'est juste. Après, le gauche, droite, quand elle se décale en plus, j'avoue que je m'y attendais pas. Elle m'a bien baisé, voilà. Elle va se transformer en quoi, elle? Elle est ridicule, hein. Bah, on a Beige, j'imagine. Oui. Elle, il faudra la farm beaucoup de fois, comme ça, je pourrais dire que j'ai battu Vitality. Hein. Avec Vitality. C'est quoi cette musique là? Je vais devenir fou. Ah ouais, en plus, elle est toute choupie, regarde, elle nous fait un cœur. Non, mais elle est ridicule, hein. Voici l'idole de l'Arcadion qui empale affectueusement ses adversaires et voilà. Son dard, Olivie Lovely. Elle est vraiment sad. Elle est vraiment sad. Ah, par contre, son dard, hein. Le dard là. Elle a l'air bien large, hein. Ouais, bien joué large là. Doucement quand même, on en OP. Hein. Bah non, en vrai, enfin moi non. Moi, hein. C'est juste pour attraper le truc de Berlin que j'ai pas fait. Oula, attends, mais ça fait mal quand même. Prosternez-vous devant moi. Ok, ça va faire le tour, on a capté. Voilà une esquive de toute faire. Beauté. Mais je fais quoi, c'est tout ça la K-pop là sur elle. Attends, mais pourquoi le rayon un peu comme ça? J'ai rien capté. J'ai rien capté, pourquoi ça l'a fait ça? Je n'ai pige rien, voilà, je te le dis. Pour le coup, je capte rien, non plus. Elle m'a cassé les couilles. Bon, moi, on n'a pas pris, mais quand même. Ah, là, c'est le truc qui fait le tour, comme tout à l'heure. Du coup, c'est donc in, c'est out. In. Non, c'est là, in, c'est in. C'est in, ça, ouais. Par contre, elle prend beaucoup plus de dégâts, Claude, j'ai l'impression, non? Oui. Onibi live. Ok, il y a plein de petits projecteurs au sol. Attention les mirettes, Olibi nous dévoile tout son charme. Le public exprime son extase devant tant de beauté. Voyons d'amour. Si notre challenger saura résister à l'aura envoûtante de Olibi. Quoi? Bon, je vais chercher un cœur, hein, vas-y. J'ai rien capté. Je sais pas, mais moi, je reste dans un cœur, hein. C'est quoi? Ah merde! Alors je pense qu'il ne faut pas. Oui, je pense aussi. Je pense que c'était du troll de prendre un cœur là. En fait, fais gaffe, il y a des boules au sol, elle lâche des boules. Oui, en effet. Je pense que si t'en prends 3, ouais, je pense t'es finito pipo. Ah, je crois que je suis finito là bientôt. Ah, moi j'en ai 2. Ah, moi aussi. Ça pète de partout. C'est terrifiant, frère! Putain, comment je passe? Je suis goat. Je suis tellement le goat. Je suis tellement le goat, frère. Ok, elle va tirer en face d'elle, j'imagine. Je vais tous vous envoûter. Tape fort. Ah ouais, je suis bis là actuellement. Ah, je peux pas taper, putain. J'ai perdu tellement d'uptime. Optimisation d'uptime sur le raid. Attends, mais y'a un mec qui a zéro cœur. Comment il a zéro cœur? Bah, c'est le goat, frère. Mais attends, mais y'a pas un cœur qui te donne en full, genre? Y'en a un qui est donné à tout le monde d'office? Je sais pas, peut-être qu'il a pu se l'enlever avec un truc, j'en sais rien. Ah, chelou. Peut-être qu'il est mort, hein, juste. Le gros noob. Peut-être qu'il est juste mort, hein. Fraude qui pense être, hein. Voyons ce que vous pensez de ça. Plus de venin. Et par contre, si elle rajoute des mécaniques en plus de ce qu'elle a fait là. Ouais, je pense que c'est trop dur. No fake, c'est trop dur. FF, en fait. Attends, son arme est chargée de poison cette fois, c'est in. In.
Ça, ça pète ou pas? Oh ça... Ah ça pète. Je crois que j'ai pris une petite... Wouah, j'ai pris cher. J'ai pris cher de fou. Oh, elle est pas si simple que ça, hein. Non. En vrai, c'est... Ok, ça, c'est le truc qui tape bizarrement, là. Mieux. Ouais, c'est le truc. Ouais, j'ai pas vu, mais il y a des lignes. Mais je trouve qu'elle est moins... Oula, attends, mais où est-ce qu'il y a un trou, là? Oh, là, il y a un trou. Big. FF. Je trouve qu'elle est moins visuelle que le... Que celui d'avant? Je suis d'accord. Ouais. Je crois pas. On ose résister à mon charme divin. Il y a un dehors, c'est bon. Ok, 42%. Mais en vrai, elle a quand même des HP, hein. Je suis tellement brillante. Après, ce truc, c'est qu'on est permanent en train de bouger, donc je pense que c'est beaucoup plus dur que DPS que celui d'avant. Oui. Attends, là, il y a des trucs de level. On dirait que notre sœur Olivia change de stratégie. Bon truc. Ok, ça fait des traits comme ça, d'accord, je vois. Faut juste décaler petit à petit. Waouh. Quel monde. Bah, je peux pas taper. C'est horrible de taper sur elle. Voilà, je le dis. Eh ben, ça bouge, hein. Ah oui, ça bouge bien. Heureusement, je suis le goat, hein. Oh non, il nous refait la même. Oh non, là, ça fait partout. C'est lequel qui a le temps? Putain. Ok, j'ai le temps. Elle veut pas lâcher, hein. Elle veut, hein. Avec son gros dard, là, elle m'a cassé les couilles, hein. Avec son gros dard, elle fait que taper. J'ai jamais joué 4 dans les corps, dans les MMO. Bah frère, je joue samouraï, je veux pas jouer autre chose que 4, hein. Vous êtes désormais tous mes petites ouvrières. Ah, je vais refresh les dots un peu trop tôt. Alors regarde là, le cœur, on va la prendre, non? Ah mais c'est pas mis dans le truc global, je crois. C'est pour ça qu'elle a pas pris de cœur tout à l'heure, je crois. Ah, mais... Faut pas aller dans le truc, je comprends pas. Non, faut pas aller dedans. Non, mais je comprends pas pourquoi. Hein? Non, il faut tous les allumer, non? Regarde. Non, mais... Ah mais je crois qu'il faut que, ah, faut que tout le monde en prenne un, en fait. Ouais, c'est ça, il faut quand même qu'on en prenne deux zones. Ah, ouais, c'est un pylône. Ouais. Donc en fait, il y en a qui montent à deux cœurs. Mais du coup, si jamais tu te fais baiser après. En fait, il faut que les goats soient à deux cœurs. Bah, heureusement, je suis le goat, ça va. Ah, moi, je suis à deux cœurs du coup. Moi aussi. Bah, je suis mort. Genre, mec. Non, ça va. Faire attention au cœur. C'est que ça arrive de partout. Tellement... Oh là 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 là. Ah, y'en a un qui a 3. C'est pas moi. Parce que je suis le goat, évidemment. Là, ça a tapé de l'autre côté. Ah, c'est mieux quand on est dézoomé. Ah, moi je dézoome tout le temps. Ah, mais j'avais oublié. C'est au nibi final, attention, c'est le nibi final. Et je pense que ça, c'est en fonction du nombre de cœurs que t'as, les dégâts. Oui, je pense aussi. Attention, les tank busters. En vrai, tank buster, je devrais mettre dedans, je pense que ça fait pas mal. Oui, je pense, t'inquiète, fais, vas-y. Vas-y, teste. Tu me dis ce que ça donne. J'aurais dû en plus ces dégâts là. Je vais être impitoyable maintenant. Donne tout. T'as pas mis la transcendance là? Non, j'ai pas mis. Là, j'ai juste mis full. Mais là, elle met ses rayons dans. Attends, mais là, c'est chiant là. Ok, ça va, propre. Mais heureusement que ça a pas duré plus longtemps. Oui, j'avoue que là, sinon je me faisais arracher. Ça durait plus longtemps, là je comprenais plus rien. Ce j'avais, j'ai pas... J'avoue que le tracking était un petit peu compliqué. On va laisser Chao avec son miel de con là. K.O. Alors il y a des gants et des bottes. Et l'autre coffre. J'ai des bottes. Il y a deux bottes, hein. Il m'en faut une. Vas-y, bah je prends... Prends la première. C'est... Ouais, vas-y. Vas-y, je prends la deuxième. Prends les deuxièmes bottes. Il m'a dit il me fallait j'aurais un bijou et deux bottes. Non, vas-y, des bottes, derrière le cadre, ça... En vrai, de vrai, ça va, hein. Moi, je les trouve que ça cool, hein. Vas-y, je passe les deuxièmes. Ok, du c'est coup, bon. C'est toi qui les as eu. Attends, je passe les troisièmes, comme ça, tu les as. Le troisième. OMG. Ouais. Et du coup, et il faut que je prenne deux gants sur les prochains. Ah, il faut que je prenne des gants. Oh, il faut des bottes pour le quatrième, c'est bon. Maintenant, il me faut juste des gants là. Deux gants, je crois. Je sais pas s'il y a des gants qui vont tomber sur les deux prochains, mais. Je vais demander.
Ouais, pour l'instant. Ok. Du coup, le troisième, j'aurais pas besoin. Ok, on a battu Oni. Le champion mi-lourd maintenant. On va se battre contre le champion mi-lourd. C'est qui? Pour le critique à vendre. Hein. Mais du coup, je sais pas. Comment? Je sais pas s'il y a des gants qui drop sur les deux prochains. Parce que du coup, j'aurais peut-être dû attendre pour le quatrième. J'ai pas peut-être dû prendre les gants sur celui-là. Ouais, j'ai pas besoin de gants, donc ça va. Ouais, mais je sais pas s'il y a. Je sais pas s'ils tombent les gants sur, les... sur le 3 et le 4. Les fights sont sympas à regarder. Ouais, les overall, fights... ah, ouais, overall les... Ouais. Les fights sont... vraiment bien sur le jeu. Et rez-de-chaussée, elle. La plupart du PvE que j'ai fait, il n'y a pas vraiment de négatif. Il y a des boss qui sont mieux que d'autres, forcément, mais. Pour ceux qui se demandent, ouais, tu peux jouer manette, et du coup, si jamais tu veux découvrir le jeu, gratuitement. Mais le jeu est pas mal opti pour. Ah oui, il y a beaucoup de joueurs qui jouent manette, et apparemment, ça marche vraiment bien, donc. C'est pas mal opti pour la manette, il me semble. Genre, ils ont vraiment fait en sorte que tu puisses. Sœur orpheline. Merde. Non, l'histoire a l'air cool du raid, mais je regarderai ça après. Si on a le temps là, on a encore 1h30 avant que tu bouges. C'est tranquille. Hein. Oui, c'est tranquille. On pourra même les refaire s'il faut un peu plus de stuff. Ma meuf a jamais fait de jeu vidéo de sa vie. Elle start avec FF14 et elle joue niveau. Elle est niveau 80. Et elle joue à la manette. C'est pas elle, hein. Ouais, c'est pas elle. Donc, j'essaie d'avoir un pantalon sur le 3ème raid et des bots sur le 4ème et c'est bon. T'as débloqué Encore le 3ème là. Je suis en train de regarder l'histoire de Black Cat et de sa petite sœur. C'est trop mims. Sa corde nous emmerde. C'est cinématique, je vous le dis. Il nous emmerde. Écoute, non, ça a l'air un peu du lore, moi. Ça a l'air d'être un peu plus stylé. En vrai, respect. Moi, j'ai pas la patience. En vrai, je pense que j'aurais eu la patience si j'avais pas tout à rattraper à chaque fois, mais... C'est vrai. C'est vrai que toi, t'as pas fait tout le jeu de base. Donc au niveau de l'histoire, tu es un petit peu largué. C'est normal, ça va être trop dur du coup de rattraper tout. Bah, le truc, c'est qu'au début, avec quand on a commencé avec Shones, Sakor... Enfin, Shones, Stray et Alde. Ouais. On a vite skip les cinématiques parce que... Ah, c'est long. Hein. Bah, les gens nous disaient qu'il y avait genre... 200 heures, des trucs comme ça, on était en mode bah les gars, si on laisse les cinématiques, on va jamais impossible. Rien faire de l'OP. Du coup, on a avancé. Après, moi j'ai Sésame, donc du coup, bah j'ai skip tout. Normal. Et je me voyais pas rattraper 100 heures de cinématiques AFK dans mon FK dans la chambre, tu regardes 200 heures de cinématiques, j'avoue que c'est long. Moi ça va, j'ai eu quoi, 20 à rattraper avec l'extension. C'est fine. Mais je vois que si j'avais tout le jeu à rattraper, j'avoue que j'aurais peut-être pas eu la DTR. Je pense que si j'étais pas streamer, tu vois, et que j'avais voulu genre profiter du jeu et tout, je me serais fait les cinématiques de cette extension-là parce que c'est une nouvelle histoire et ça avait pas de lien avec celle d'avant, tu vois. C'est vrai que ça a pas trop lien avec l'histoire d'avant, c'est vrai. Donc j'aurais, vu que c'est une nouvelle trame, j'aurais suivi un peu histoire de pas être complètement lost, mais... Explique l'histoire de ces darons. En gros, les sœurs sont des orphelines, les pauvres. Mais Ekta Elia, vu qu'on... Enfin, comme on vient de dire, en vrai... Si tu commences maintenant, là, cette extension-là, si tu veux vraiment t'intéresser à l'histoire, tu peux. Parce que ça commence une nouvelle trame, donc tu peux suivre l'histoire de cette extension-là sans vraiment avoir besoin de suivre les précédentes. Attends, je vais skip, mais au pire, si jamais je peux regarder la cinématique dans la chambre, c'est fine. Mais je sais pas si on peut regarder les cinématiques des raids aussi dans la chambre. Je sais que l'épopée, oui, mais les raids et tout, je suis pas sûr. C'est pour ça que skip, ça me fait un peu chier, mais bon, je vais pas le faire. Attends, vas-y, go, attends. Je vais parler à Yana. Quand c'est bon, du coup, je suis en train de cavale vers la. Vers les petites éthérites là. Est-ce que j'ai le bon stuff du coup?
Ça n'a pas été mis à jour, je pense. Ou alors, il faudrait que Tsuba m'envoie un nouveau lien. J'ai actualisé le truc. Et oui, Retro, je suis d'accord. La musique du jeu, c'est, y a vraiment, c'est vraiment banger. Et faut savoir que je crois que c'est le, au niveau du Guinness Record, je crois que c'est le jeu qui a le plus de musique originale au monde. 14. Il me semble. Je suis pas certain de la data, mais je suis quasiment sûr de la data. T'as débloqué ? Attends, là je suis en train de parler à Yana, je vais le débloquer là, je pense. Quête acceptée. Oh là 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 là. Attends, attends. En speed, c'est bon. Quoi, Milour, CCA, match 3 à débloquer. Attends, je sors de la cinématique, c'est bon, je peux lancer. Les gars, je crois que. Je crois que je l'ai, hein. C'est bon, tu l'as eu là ? Le Big C ? Ouais. En fait, ce fight là, il est stylé. Avec de la lave et tout là. Ils n'ont pas encore évoqué le Red 24. Je sais pas ça sort quand les Red 24 après. Demande, attends. Pas sûr, 4 raids et en gros ils sortent 4 raids par 4 raids et à la fin je crois qu'il y en a 12. À la fin des. À la fin de l'extension globale, il y a 12 raids où tu justement tu drops du stuff, etc. Même si le Sagic donne plus de stuff, mais c'est plus dur à faire. Oh, lui il a l'air énervé lui. Ouais, il a l'air d'être super chaud. On a vu dans le. C'est... Il va y avoir de la lave et tout, je crois. Oui, dans la preview de Red. C'est stylé de fou. Ce soir encore, nous risquons bien d'assister à un véritable massacre enflammé dans l'arène infernale. De oh la gueule! Comme les bonbons. Il a un bonbon dans le ventre. Il a. Il est stylé, par contre, moi j'aime bien. Hein. Les bonbons, ça me fait faire des cauchemars, hein, voilà. Pour avoir joué aux anciens Final Fantasy à l'époque, quand ils explosaient, ils te one-shotaient. Ça rendait fou. C'est comme les pampas. Toi, t'es pas un mec traumatisé par les pampas, mais. Mais sur FF, les pampas. C'était traumatisant. Allez, je c'est vais parti. Vous balayer avec le pouvoir de mon roi Bombo. Oh là là, Brute Bomber est d'une humeur explosive. Ça c'est le truc sur le raid. Ouais j'imagine. Ça nous permet de faire notre petit opener au calme. Oh oui. Hop. Ah ouais putain. En vrai, trois fois. Quand même. C'est un truc pour les tanks ça. Ouais. Ouais. C'est rare les trucs groupés tanks je trouve. Ouais. Je pense c'est des pylônes. Oui c'est vrai. Bah, c'est quoi ça les tanks. Ok donc ça ah, c'est main gauche ouais. Oui. Ah oui, ok, c'est. Pas loin. Hein. Je pensais que c'est juste un coup, mais en fait, non, il va vraiment loin. Et pas s'arrêter de dash, hein. Ok. Ok, donc faut vraiment bien se décaler sur la droite. C'est quoi ça ? Il a l'air d'être en face de lui. Ah oh, oui, d'accord. Oh bordel. Alors, au balas, on prend le coup ? On n'est plus le GOAT ? Bah, j'avoue que j'étais en train de cast. Alors, au balas, on ne goûte plus. Là, là, je pense qu'il faudra être un peu groupé dans les trucs. Hein. Ouais. Je pense qu'on va être 2-2. Ouais, j'imagine. Deux dans chaque. Ouais. Ça repousse. Oh merde. D'accord. Ok, là, il va tourner. Il commence là. Et c'est littéralement 7 sous âme infernale en fait. Oui. Il est un peu terrifiant quand même. Ouais, les musiques des raids c'est toujours bien. Oh là. Est-ce qu'il y a un trou là ? Est-ce qu'il y en a un où il n'y a pas de flamme allumée là ? Hein ? Ah, il y a un ordre. Comment ils savent l'ordre ? Je crois que ça va pas spawn au même moment. Oh oui, ils sont chauds. J'ai rien vu, hein. Voilà, je te le dis, j'ai juste suivi. Ouais, mais j'ai pas fait la même. Là, ils ont tous explosé. Ah, je comprends pas là. Ah, y'en a qui ont des courtes mèches. Ok. Y'en a qui ont une longue. Okay. Merde. Ça dépend de la taille de la mèche. Ça dépend de la taille de la mèche, ouais. Ouais, c'est fait.
Sakor a lu le fight, le GOAT. Et oui, un truc contre boss. Dommage. Mais c'est illicite, ça. C'est un malade. C'est du cheat. Mais c'est un malade, ce mec. Je suis l'abuse. Ah, bah voilà, disqualification du combattant. Oh, il a tapé l'arbitre. Ah, ouais, d'accord, ok. Bah. C'est quoi ce bordel? Il n'a donc de respect pour rien ni personne. C'est vrai que c'est vraiment con. C'était bah, juste très con. Lui, hein. Combo de l'aria, oula. Attends, c'est la cinquième fois qu'il te fait dans le net. Hein. Ouais, mais c'est le combo là, c'est pas pareil, non? Tu vois, c'est pas pareil. Ah! Eh oui! Attends, c'était pas combo avant? Non, tout à l'heure, c'est pas combo, c'est juste l'arrière. Ça a dû faire très mal. Ok. Eh ouais. Ah, mais Sakor, c'est tellement le goat. Il fait quoi, Marlon? Il est content à courir comme ça? Jure. Il a le truc sur sa gueule, il veut nous troll, GG. La prochaine fois, je viens pas, hein. Tu viens de faire une sled? Non, mais il est ridicule, hein. La prochaine fois, je le laisse tout seul dans sa merde, hein. Il aime trop nous faire ça aussi, salopard, hein. Ok, combo cette fois encore. Ok. Par contre, tu perds tellement d'uptime là-dessus, ça pète les couilles. Bon, non, moi je peux taper au calme. Ah, bah GG. Ah, moi je peux vraiment pas taper quand il est de l'autre côté. Ah, oh, merde, attends. Ça fait trop chier pour ta classe en vrai. Ma classe est l'autre tiers, voilà, il faut le dire maintenant. Mais il y a ses in et tout. Wesh! Ok. Roblas, tu es éteint au jeu. What the f... Wesh, attends, attends, wow, wow. Mais y'en a des trucs, ouais. En plus, il enchaîne avec le combo de l'arrière, combo, mais arrête. Je suis mort. Il s'arrête jamais. Oula. L'autre côté, non mais par contre, c'est grave. Non, il nous a bien enchaîné, le bâtard. Bon, alors, j'ai rien pris, si j'ai pris un truc, je crois. T'as pris un petit truc, bordel. J'ai vu. Y'a un mec qui est déco, je crois. Ah non, c'est bon. A mis mon mid arrêt. C'est les raids. Voilà, ça c'est pour tout le monde, on s'en fout. Ah, il en met des coups, hein. Ouais, ouais, mais bon, hein. Doucement, doucement, mon grand. En vrai, pour le coup, lui, ça se voit que c'est un peu au-dessus, tu vois. Troisième, oui. Commence à faire un peu plus de dégâts. Il est très très cool comme boss. Ok, faut pas être sur les côtés là. Oh là, oh merde. Il va faire un combo de l'arrière en même temps. Ah, oh, ouais, non, mais abuse. Abuse de fou, frère. En vrai, les mécaniques sont vraiment sympas. Oui, il est très très c'est cool, un peu plus demandant que. Ouais, que les deux que autres. Que les autres, j'aime bien. D'accord. Putain, mais il refait ça, putain, mais les heals doivent être en PLS là. Ils doivent être en train de pleurer du sang, les pauvres. Respect aux heals, hein. Oula. Bon, attends, je vais avec les. Tu voulais pas aller prendre le truc avec les tanks, Sakor? Oui, j'ai voulu faire un petit test, mais je suis bon, écoute. On va pas saboter les heals encore plus. Ils sont déjà en galère. Dégage de là. Oula. Oh ouais, ça c'est le truc à deux là. Là. Mais attends, mais. Wesh. En même temps. Oh merde. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Oh, là là. Oh, je suis tellement dans la merde en bas. Ah, oula. Ah bah toi aussi. Franchement, ah ouais, j'avais tout mixé à la mécanique, bro. J'aurais dû faire porter de bois sur le truc qui tombe là. Bah ouais, j'avais oublié que j'ai ça troll. Poussait. Ouais, j'avais oublié que ça poussait aussi. Je mets pas un spell, hein, ils se démerdent pour leur chair de con. Ouais, hop. Est à nouveau debout. Oh merde, attends, mais là c'est la merde là, de ouf. Oh, ça va. Et il est, les heals gèrent. Les pauvres heals, hein. Une mort chacun, on est trop gaze. On est trop éteint. Et c'est quoi, je prends le truc avec les tanks. Et vous courir dedans, j'ai commencé à suivre, je me suis dit mais attends, mais il fait quoi là? Il y a un mec qui est en train de faire de la peinture de pipi sur mon corps. Mérité, honnêtement mérité. Attends, je finis. Mais hop, mis derrière avant. Nice. Bon, ça s'est passé. J'avais oublié. J'ai le passé le random. Ah, le stoïcisme sur le truc qui te repousse en plus, derrière j'étais dans le feu, j'ai exprimé les explosions, j'étais vraiment dans la merde. Je prends les gants du coup.
Ok, je prends pantalon et je prendrai bottes à la fin. T'as déjà tes deux bottes, on est d'accord? Ouais, ouais. Ok, nice. Bah, je prends pantalon et après je prends des bottes. Et du coup, on a le droit de le faire qu'une fois. On a le droit de faire les 4 raids une fois par semaine pour avoir les équipements. Ouais. Abusé. De ce que je comprends. Du coup, la semaine prochaine, il faudra les refaire une fois pour d'autres pièces, probablement. Ah. Après, il faudra dépenser 10 millions pour avoir le stuff crafté. Puis après, tu peux porter 10 millions ? Ouais, stuff crafté, je crois qu'ils m'ont dit que ça coûtait une dizaine de millions. Il va falloir faire un peu. Hein. Je prends un pantalon. C'est bon, j'ai eu un pantalon. Et après, je prendrai le bottes. En question. Les gars, il n'y a pas quelqu'un qui a 10 millions après. Exactement. Les gars, est-ce qu'il y a des gens qui jouent FF14 en speed là ? Et qui ont un peu d'argent à prêter pour le stuff crafté, s'il vous plaît. Mais j'ai parlé avec des gens de la guilde. Hein. Des gens de la Linkshell. Ils ont dit qu'ils allaient aider et tout. T'inquiète. Ouais. Bah, Tsuba m'a dit qu'il me donnait un full stuff. Ouais, Tsuba m'a dit la même. Tsuba, c'est trop en bon. Hein. Merci à Tsuba. Il m'a dit qu'il me donnait un full stuff et 1000 gills en plus pour vraiment que je sois bien pour l'extension. Ok. Ouais, comme ça, tu peux le TP et tout, c'est bien. Ouais. La naissance du nouveau champion de la division mi-lourd. En vrai, les raids de l'Arcadion, c'est style, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, on va faire les poids lourds, les poids très lourds. J'imagine que les boss vont être encore plus. Vous avez le droit de faire les raids autant que fois vous voulez par semaine, mais vous pouvez loot une seule fois. Ouais. Ah, c'est ça. J'avais capté tout ça. Bon, là, ça va être le dernier, donc ça va être plus dur que celui d'avant, normalement. J'espère que le fight va être stylé. Du coup, pour avoir un full stuff là avec les stuff de raid, ça met grave du temps, non? Tu dois faire combien de semaines pour avoir un full stuff en vrai? Après, dans tous les cas, là il y a le sadique qui va sortir, donc le stuff là ici le sera obsolète. Sadique sera plus fort. Surtout mais... que le stuff craft est mieux. Ok. En fait, le stuff craft est meilleur parce que t'as un truc, c'est le pentameld. Genre, tu peux foutre des matérias dessus et ça fait un délire. Mais je crois que les matérias pour ça coûtent trop cher, hein. C'est ridicule. Coûte vraiment vraiment trop cher. Il est revenu lui. Pour l'homme il faut 7 fragments. Ah ouais, pour l'homme il faut 7 fragments. Oh, c'est relou. Selon toi, qui gagnerait dans un concours de twerk entre toi et Marex? Je pense que tu l'éteins. Hein. Bah je pense que ouais. Hein. Après je sais pas, Marex doit être plus souple que moi. Parce que tu sais, je suis grand. C'est vrai. Je suis pas très très souple. Je pense Marex il est souple hein. Ça pas se voit qu'il doit pouvoir genre vraiment genre twerker comme une, ouais. Une folle. Comme une folle là. Merci zombie pour les 9 mois. Enfin les 15 mois pardon. Et la question du coup. Il y a un éclair qui vient de tomber sur machin bomber. Ah oui, t'as toujours en cinématique. Oh, non, mais en vrai il faudrait regarder la cinématique, là on avait le temps là. Là j'ai fait tous les raids donc je peux pas drop d'autres pièces de stuff. Non, c'est une fois par semaine pour le stuff. Ah du coup c'est ça, Daron qui revient. Mais attends, mais comment ça? Je comprends rien frère. Ça donne combien le stuff crafté après. Ce que je sais c'est qu'on va se battre avec la Daron. Je sais pas ce que c'est le level du stuff crafté. Je pense que ça doit être du 710 mais avec c'est le pentamel ouais. Ça doit donner plus de stats en fait. Ah, c'est sa sœur Eutrope, ok. La poids lourd OMG. Mon âme m'appartient, mais elle a pété un câble. Je regarderai la cinématique après. Et du coup, là, on a. Là, c'est poids mi-lourd. Du coup, la deuxième partie du raid, ça va être les poids lourds. Ouais. Et après, ça sera les poids. Extra lourds. Oui. Les poids super giga lourds. Un truc comme ça, hein. Je pense. Ok, c'est bon. Poids mi-lourd, CCA, match 4. C'est bon. Participer. Ah, on va voir ça, hein. T'as 50 sadique? 30. Le 30? Ah, dans deux semaines à peine. Ça va, hein? Ouais. Ça arrive vite, hein? Ok, elle a un petit flow. Avec ses cubes. Avec ses cubes. En voyant le retour fulgurant de cette combattante ayant magie et machinerie, Wicked Thunder! Ah non, elle m'a cassé les couilles, elle est dégueulasse. Oh là, mais attends, c'est quoi, c'est une licorne là? Ah, sa corne, il aime bien les grosses cornes comme ça. Hein. Sa corne là. Non, franchement, pauvre. Le modèle du boss.
sais pas, elle avait un petit flou avant de se transformer, mais là, c'est ciao. Mais je veux ton âme. Mais pourquoi elle veut notre âme? Je comprends pas. Elle a pété un câble. Wicked Thunder fait son grand retour sur la ligne. Colère de Zeus, la première attaque, ok. Vers latéral, et gauche. Ça va. Par contre, la musique est pixel, hein. Voilà une autre propriété de câblerie obscure. Ok. Ok, elle fait tomber des anneaux du ciel, c'est ça? Ouais, elle fait proc des mobs qui font les mêmes attaques qu'elle, ok. On va faire une là-bas. Ok. À sa droite. Ouais. Ça va, ok, ça le truc c'est que là, ça cumulé à d'autres trucs, ça va être un peu XD, oui. Je pense. Mais... Ça peut être très bizarre, je suis d'accord. Je vais te montrer ce qu'on peut faire avec l'électrop. C'est quoi ça? Oh, elle a sorti un camion. L'électrop est devenu un immense canon. Preuve que Wicked Thunder est toujours aussi dangereuse. Quoi, cette merde? Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait un trou. Alors heureusement que j'étais tout à droite. En fait le problème c'est que j'ai voulu aller au corps à corps. J'ai vu que bah, je suis tombé dans le champ. Ah. Mais il se passe quoi là? T'as câblé là. Oh, quelle attaque puissante. Ça a dû faire très mal. À gauche, à droite, à gauche, à droite, ok. Petit train canon, okay. Arrière qui charge. C'est quoi les couleurs? Je capte rien, frère. Je comprends rien. Et je capte rien. Pourquoi capte deux fois? En fait, c'est par rapport au nombre, au truc, ça s'est illuminé, mais j'étais grave à la mort. Déjà, moi, j'étais mort pendant. J'aurais dû accéder derrière. Après, je comprends rien. Bon, là, c'est encore mort là. Ah ouais, non, mais je suis mort deux fois déjà. Je suis en chilling là. En chilling là. Il est en train de nous saboter là. Heureusement, les raids, y a pas de DPS check, hein. Ouais, je m'attends, mais le boss est incroyable. Et voilà qu'il lui pousse des ailes. Quelle vision. Mais au fait qu'il est vraiment stylé. Oula. En fait là j'imagine. Il va y avoir un trou. Ouais. Bon. Nouvelle technique. Oula, oula. Restez collé à Tsubasa. Oh non, j'ai plus ça. Elle va faire exploser à droite en plus après. J'avoue que le boss est un peu plus XD. Oui, là j'avoue que il y en a des choses. Hein. Ça c'est bon, c'est le truc en full sur tout le monde, c'est bon. C'est que je suis mort, j'ai perdu des dégâts. Ah non, c'est des dégâts aussi augmentés, il te met des vulnés. Ah ouais. Ça c'est quand tu prends un spell ça. Ouais. On sait pas, les boss de raid te mettaient des vulnés comme ça. Fun fact, il y a une soft en raid ici. Ah ouais, ah, okay. Oula, oula. Oula, y'en a du clone là. Ok, là on est bien. Ça, merde. Oh putain. Il ulule. Ça va, j'ai évité, je suis le goat. Il y a des dégâts aussi, hein. Comme Frodalas. Moi, là, je suis en full chilling dans le fight, hein. C'est fini tout. Je suis mort une fois, j'ai même plus envie de le faire, le try, frère. Ah, c'est le canon là qui est sur le gros canon là. Ouais, va tirer au milieu. Mais je comprends pas comment on peut savoir où c'est. J'ai le temps de mettre, là, elle va tout péter au milieu, voilà. Je fais pas le con. Pentacanon, okay, donc droite. Gauche. Ok, gauche, droite. Droite. Gauche. Gauche. Droite. 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 Droite.
Donc gauche, droite, avant. Gauche, droite. Ok, c'est oh, merde. Bon. Dernier parce que je suis un animal. Oh putain, mais comment tu chires ici? C'est chaud, c'est chaud. C'est bon. Oh. C'est très dur de bien se placer ici. Hein. Il y a le temps, ouais. Oui, heureusement. Ah ouais, puis derrière, ah, c'est bon, frère, c'est bon, lâche un peu mon vieil. Oh là là, elle m'emmerde. Alors qu'elle veut pas lâcher, par contre. Elle enchaîne vraiment bien. Pourquoi elle a laissé un truc au sol? Je sais pas. Ouais, ça faisait de dingue. Attends, pourquoi il y a... Hein? Elle fait clone elle? Oh non. Ouais, je suis dingue de faire clone elle. Attends, je me mets là. Je me mets là. Là, je me fais pas toucher ici. Si, je me fais toucher ici, putain. Heal, pitié, heal. À l'aide. Oh, en plus, ça pète en croix. Oh là là. Aïe aïe aïe, je suis dans la merde. Plus le temps, j'ai pas le temps de sortir. Je suis mort. Ok, je me mets dans le coin, je vais attendre, hein, je vais chill. C'est coriceuse, hein. Là, j'ai des seuses de fou. Oh là. Bon, j'ai aucune idée. Bah, j'ai aucune idée de où étaient les trucs. Genre, hein, je... En fait, ça en montre fait, le chemin, mais c'est trop dur à suivre, je trouve. Je pensais que les zones rouges, je pensais que c'était genre une AOE dedans, tu vois. Mais en fait, non, c'était juste le, ouais, pareil, le chemin en fait, non, c'est le chemin, montrer, ouais. Genre. Ouais, c'est le chemin. C'est trop dur à suivre. Mais le boss est incroyable. Elle va tout péter, là. J'ai trois vues le nez, quand même, là. Ça commence à faire beaucoup, là. Mais pourquoi? Attends, c'est ça son embrage là? Oula. Attends, mais frérot, je crois que je suis. En belle cause, là. C'est Alette. Bon! Alette, sustain! Merci! Bon, oh, bah là, ça sent belle cause, je te le dis. Merde, j'ai dash dedans, je suis un colmon! Ah! Il se fait arracher. Attends, mais là ils vont se faire arracher, non? Non, ça va, c'est pas. Je pense que c'est ça la soft en rage. Oh oui, je crois aussi. Parce qu'on est mort 50 points. Du coup, il n'y aura pas de dégâts. C'est vrai que là, en termes de DPS, on a un petit. Éteint un petit peu à la ramasse là. Non, t'inquiète, bro. Okay. Au calme. Mais ouais, je veux pas lâcher, hein. Attends, mais là, je peux faire des chaînes, non? Force, d'accord. Toi t'as vraiment pas cliqué sur Rez, hein. T'as vraiment pas cliqué sur ce Rez, salopard. Attends, mais ils vont crever là. Non, ça va. On a 3 de mort. Allez, finissez, c'est bon. On s'est fait arracher la gueule, voilà, je le dis. On s'est vraiment fait arracher. Et du coup, c'est ça la soft en Rez. Non, le raid est incroyable. J'avoue que ce boss là, en sadique. Incroyable. Weekend Thunder a fui plus vite que l'éclair. La victoire revient donc à notre challenger. Pff, on est juste les goths en fait. First try tous les boss, même en mourant 10 fois. Disons que les mecs avec qui on joue sont pas mauvais au jeu. Oui. Conquête de la division pour un milouard CCR. Bien joué à tous. Celui-là aura une deuxième phase. Ouais, c'est comme... ouais, ok. Ce match vous a été commenté. Oh, il y a une mascotte. Oh, MJ. J'ai la mascotte. J'ai fait combien? J'ai fait 15, je l'ai pas eu. Bah j'avais fait 18, c'est Tsubasa qui l'a eu, ça le casse. Ah, il a fait 89 Tsubasa. Ouais, il faut les bottes. Moi il me faut les bottes, c'est tout. Moi c'est les gants, je crois, hein, c'est ça? Ouais. J'ai eu bijoux, pantalon, enfin jambard là, et 2 bottes. Non, ça devrait être ça. C'est ce qu'il m'a dit, je crois. Là, faut après, passer les gants, ouais, d'accord. Le attends, je vous passe les gants. C'est bon, hop. Quitter. Bah GG hein. On a et du coup j'imagine que c'est la solution 9 pour le stuff. Ouais, je vais aller voir vite fait la solution 9 si on peut aller récupérer un peu d'items là déjà. Ça m'est très bien. Augmenter un petit peu mon e-level.
Faudrait que je demande à Tsuba quel, quel matin je dois mettre dedans aussi, mais non. En samouraï, c'est critique permanent de toute façon. Ouais, moi c'est pareil. En route, même pas une heure en vrai du coup. Ouais, ça va, on a speedrun ça. Hein. Je m'attendais à ce qu'on mette quand même. Est-ce que là on a pas le temps de farm la monture là? Est-ce que c'est pas le moment d'aller farm la monture? Ah, oh, j'ai tellement la flemme de retourner sur l'extrême. Arrête, viens, on va farm la monture. C'est le moment de farm la monture. On va farm la monture, on va drop la monture à 1%, on va être trop content. En plus, c'est moi qui vais la loot, mon rêve. C'est bien pour ça que j'ai pas envie de le faire du coup. Après, là, j'ai fait 15 sur la mascotte, hein, j'avoue. Bah, s'ils veulent, on peut faire un ex, mais. Après, faut voir s'ils sont chauds. Hein. Je vais regarder les cinématiques après, comme ça. Je vais me poser, regarder un peu les cinématiques du raid et voilà. Oh là là. Déjà, faut prendre le stuff. Ouais. C'est où, Tsuba, le perso? C'est dans Solution 9? Pas au même endroit que tous les trucs, j'imagine, mais. Pourquoi j'ai une holo arme? Ok. Ok, au fait accompli. Solution 9, c'est là, ok. Pas très bien. En route. Donc là, je peux prendre 4 pièces d'équipement normalement, avec ça là. Je comprends pourquoi on a pris 2 paires de bottes en fait. Ah, ton perso a 2 bottes? Regarde. T'as bras d'agresseur et cuissard d'agresseur. Dans jambes et pieds, je crois, non? Non, même pas. Mais je sais pas pourquoi. Je comprends pourquoi il m'a fait prendre 2 bottes. Genre je capte pas. Tu penses que Tsuba nous a troll là? Bah je sais pas. Je pense que Tsuba nous a troll. C'est quel perso du coup? 2 fragments, ok. Laquelle celle? Non. Ça c'est Iwiwi je crois. Équipement de l'Arcadion, ouais c'est ça. Ouais ça. Je vais regarder Samouraï. Ah, parce qu'il faut 2 fragments pour prendre le truc en fait. Ah, du coup, je peux prendre des boucles d'oreilles. Attends, mais boucles d'oreilles, c'est éteint, non? 610, j'ai déjà mieux, non? J'ai déjà 610, c'est pareil. Attends, mais il s'est foutu de ma gueule là. Attends, mais. Oh, con. Hein? Mais pourquoi il m'a dit de prendre des trucs? C'est exactement pareil. Les trucs des milours là, les accessoires on les a déjà, c'est exactement les mêmes. Ah non, il y a plus de crits. Oui, je pense que c'est une question de stats à mon avis. Ah oui, il y a plus 177 de crits au lieu d'avoir 167 de coups nets. C'est que je sais pas lequel prendre du coup. Là par exemple, c'est... Il y a plus de détermination, il n'y a pas la vivacité. Ah oui, ok, je vois. Et les bots, par contre, c'est forcément mieux. Faut que j'aille. Bah, les bots, c'est forcément mieux. Yoctural pour. Ok, ouais, je prends les bots du coup. Certia. Ok. Favori, je pense que je suis certi du coup. C'est pas lequel je fais. Je vais prendre. Non, je pense que lui, il y a du crit, je pense. Je sais même pas s'il me reste assez pour certir. Après, celui-ci a crit et coup net. C'est ce qu'il y a de plus opti, je pense. Je retire détermination et ça me met crit et coup net. Je pense que c'est opti, hein. Le jonc d'attaquant des 3000 lourds. Je pense que c'est ça qui me fait. Oh la bague. Hein. Ok. La bague d'attaquant des 3000 lourds. Hein ouais, je vais pas m'overcap du coup, je mets quoi en deuxième? En place celle qui vient pas de l'extrême. Bah, counette, je suis obligé. Ah, bien vu, ça j'en ai. Ça. Ah non, ce mec. J'en ai plus. Il me faut une counette. Bah, tu veux le goat. Il faut une counette 12. Et celle-là, c'est une double crit. Et pourquoi il m'a fait prendre des chaussures où il y a 0 de crit? Je pense que c'est ta troll. Hein. Non, j'ai une carte. Oh, j'ai eu la carte Black Cat. C'est trop bien. T'as combien de cartes, Robin? Je sais pas. Moi, j'ai... Je comprends pourquoi elle m'a fait prendre une paire de bottes où il y a moins de crit. Après, il y a plus d'intel. C'est ça. J'aurais peut-être dû prendre
pantalon, non? J'aurais peut-être dû prendre pantalon en vrai. Tsuba, t'as une 12 counette ou pas pour mes gants? Tellement de trucs à changer, moi. Je peux pas en acheter à lui? Moi, je crois que ça s'achète pas. Non, j'ai pas de counette? Ah non, j'ai vendu, c'est pour ça. J'ai vendu mes matériaux comme un animal. Hein? T'as vendu tes matériaux? Ouais, je les vendais au shop quand c'était élevé les ventes. Il y a un moment où c'était trop élevé les prix des matériaux, donc j'ai vendu tout. Mais t'es ridicule, vous avez pas gardé? Ah non, bah, comme ça, je gagne l'argent là, je les achète moins cher maintenant. Okay. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars, tu crois? Je suis le goût du commerce. Ma foi, absolument qu'un viewer me fasse une livraison de matériaux 12 là. Oh non, il faut impérativement qu'un viewer me donne genre 10 millions là maintenant, là. S'il vous plaît, là. Et vous inquiétez pas qu'il va pas acheter le stuff avec, hein. Il va aller acheter sa vieille moto. La moto à 7 là. Millions 5. Oh, attends, c'est où? Ça coûte combien? Je vais regarder le prix. En fait, si c'est trop cher, je l'achète pas. Je suis un gros radin, moi. En vrai, je vendrai tous les autres matériels et je vais en racheter d'autres, c'est fine. Hein. De Kounet, il me faut. Comment je fais pour savoir? Attendez les gars, je trouve où les... Voilà, faut jouer un tableau de vente, il y en a pas ici. FF. C'est ça? Tu level combien là? Je level 605, 705 toujours. Alors que j'ai mis une bague 710. Attends, je comprends pas. Ah mais non, j'ai pas mis la bonne bague, putain. On est pas. Voilà. Au niveau ici. Hop. Ok. Crit et détermination dans le ring. Détermination et counette dans les bots. Ok. Dans le goat. Et détermination. J'aurais pu ne pas payer, j'aurais dû juste la faire avec mes trucs de chasse, là. J'avais fait un train. Ah oui, ça c'est. Moi c'est comme ça que j'ai eu full matériel. Juste clic dans le ring, ok. Alors, juste clic dans le ring, j'en achète deux. En faut deux. Oh le bâtard. J'en achète six. Ok, je suis bis. Ça fait un ex du coup? Vas-y, je suis chaud, hein. Donc crit, détermination coup net. C'est bon ou tu veux attendre un peu? Je mets juste les matériaux vite fait. Vas-y. Et on est bon. J'achète une comme ça. Une détermination. Une counette. Merde. Je peux aller sur ça? Non. Mettre une. Il faut pas y avoir de. Mais ils le vendent que par 5. Ils abusent les counettes. 100 000. Alors, au pire. Je peux pas sauter, je crois. Wow. Il y a un bullet train qui va partir sur Phantom. En vrai de vrai, j'avoue, pour farm des matériaux, on devrait faire un bullet train limite. Hein. Comme ça, quand on a besoin, on est tranquille. Tu veux pas faire un train en vrai? Non, non. Non, t'as la flemme? Bah, faut attendre un train et là, tout. Là, il y en a qui parle apparemment. Flemme. Ok. Équipé. Donc, dans la bague, je mets juste. En vrai, je préfère faire un ex que faire un train. Ok. Détermination Kounet. Tu préfères quoi? Le truc des trois éléments ou On voit le deuxième, hein. Le deuxième, il y a des items plus stylés donc. Des items plus stylés? Enfin, la monture est plus stylée. Ah ouais? Je sais pas. La monture est plus stylée du deuxième, du X2 que du X1. Bah, le X1 c'est les ailes, le X2 c'est quoi? C'est pareil mais en moins cool, avec moins de détails. Il y a les ailes sur les deux, sauf qu'il y en a un où c'est plus stylé. Il y en a un, les ailes je crois sont noires.
sur le X2. Et quand tu voles, il y a des trucs en plus. Et du coup, c'est quel, lequel que tu veux faire? Le Piaf, c'est ou l'autre mec? Zoralja, le mec. Ok. Par contre, je me rappelle plus, on va tellement mourir, on va tellement wipe. Mais non. C'est free. Faut juste pas faire de la merde sur la ligne là. Ah oui, la ligne, à chaque fois je me fais baiser. Ah non, tu parles de la ligne où c'est par groupe. On veut pas le faire en vocal avec les autres là. Y'a pas besoin. Hein. C'est free. Ok, vas-y, si tu veux, si tu veux. On va juste wipe 10 fois, mais c'est oui, on va tellement se faire arracher, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. On est plus de stuff donc normalement non. Après, on a vite fait plus de stuff. Non, t'es 706 là en item, on est d'accord. Attends. Je suis à 706, ouais. Allez, une petite monture en speed, j'en pleure. Hein. La mais monture en la drop, j'en pleure. Mais c'est que ça va être aucun de nos deux qui va l'avoir, c'est un viewer et du coup je vais devoir le permaban du Ling Chen en fait. Il va devoir être banni de la Ling Chen, il aura plus le droit de jouer avec nous, hein, c'est bon. Bah déjà, s'il vole la monture, c'est. Oui, c'est sûr en fait. Et si c'est Tsuba, bah. Je sais pas s'il l'a pas déjà, Tsuba. Ah, il veut. Allez. La flemme, c'est un filtre de force là, on s'en fout. Faudrait que je le place dans mon inventaire et tout, j'ai la flemme. Je vais vous montrer que je suis loin à casser. Tu sais que je me souviens pas de la moitié des mécaniques du fight. Pareil, hein. Je vais être tellement éteint. Bah déjà, j'ai pris pool là sur ce fight là. Ça met bien. Ça va être devant ou ça va être derrière? Dis-moi que c'est derrière. Et c'est derrière, c'est nickel. Il va falloir aller loin un peu. Allez, j'essaie de gagner jump time. Allez. Pas gagner jump time, je suis dégoûté. Oh. Que quelqu'un prenne les liens, pitié? Les tanks? D'accord, c'est tellement. Ce mec malveillant. Ah non, regarde. Flame les tanks au moindre truc et tout, c'est trop frère. Ouais, il fallait pas que je prenne les trucs, tu vois, sinon on était finito. Hein. Faut que t'ailles dans la zone rouge là. Ok, vas-y, j'y vais. Alors, sur cette mécanique là, il y a un truc qui est pas mal, qui marche super bien, c'est tu vois Tsubasa? Bah, tu te mets sous lui, genre. Ok, ouais, j'avoue que ça c'est pas mal ça généralement. Comme ça t'as juste à taper sur tes boutons. Ouais, généralement je mets entre deux, quatre trucs. Et comme ça si tu mets entre quatre trucs, t'as forcément un moment, t'es fine. Ouais, t'as forcément le temps de, t'as le temps de réagir normalement. Oui. Là si tu veux je me mets là, je suis bien. Ah non. Ah j'ai pas un truc là. J'ai voulu décaler avec les autres, FF. Ça coffre trop bien les gars non. Ah j'ai fini, c'est perdu. J'aime pas comment on voit si c'est un truc vent, de vent ou quoi. Ouais, ça pète les coussins. Je n'y comprends rien, voilà, je te le dis. En fait, tu vois sur la lame. Là, c'est une lame de feu. Ma lame va vous tailler en pièces. En vrai, si on se met là où est Tsuba, on est bien, je crois. De toute façon, si on se met là où est Tsuba tout le temps, on est bien. Après, on se split. Wesh, à quoi il veut pas speed hein. J'allais pas bouger hein. Je suis le destructeur du monde. Je suis le grand doom. Ce
Ça va, on chill, man. Ouais, ça va, on chill, franchement. Descends bien, en plus, Ah, ça, c'est l'enfer, ça, les lames, là. Ça, c'est vraiment le truc que je galère le plus, je pense. Bah, je capte littéralement rien. Tu es là, tu es clouless. Mais littéralement, enfin, c'est infâme. Là, faudra voir si c'est in ou pas, en même temps. Je décale en même temps, voilà. Là, il va être, c'est devant lui. Faut éviter la ligne, aller devant lui. On se décale un peu pour pas prendre le hit. On réévite la ligne. On recule. Et là, on peut taper. T'es que j'ai rien pris, hein. Je suis le GOAT. J'ai rien pris non plus, je suis trop le GOAT. J'ai suivi Tsubasa. Non, moi j'ai pas suivi Tsubasa pour une fois. Mais du coup, j'ai perdu full uptime, j'ai pas tapé pendant 1000 ans. C'est tellement bien d'avoir Tsubasa dans ton rêve, oh. T'es là. Tu vois. Y'a rien à faire. T'es au calme. Ok, je vais sur B moi. Oula, oula, Emile il est un peu dans la merde là. Emile l'a plus double truc. Attends, mais Emile va crever là. Oh là là, mais c'est encore qu'il fait pas confiance au heal, c'est trop ce mec. Vrai, la négativité, sérieux. Désolé, my bad, je pensais qu'ils étaient, c'était des bronzes de merde, alors qu'en vrai c'est les gouttes. Bon, allez. Par contre, ils peuvent appuyer sur leur bouton. Revalasse le flame heal, super. On a passé le plus dur là, c'est tranquille en vrai de notre rôle. Ouais, le seul timing difficile, mort, ça va être les prochains. Je te dis. Ça va être les prochains. Les prochains anneaux. Les prochaines lames là. Les prochaines lames, quand on revient de ça là, oui. C'est les prochaines lames qui vont être dures. Bah, le truc qu'on va se faire envoyer aussi de l'autre côté, c'est relou un peu, mais ça va. Bon, en vrai, ça va. Alors, je sais pas. Mais là, moi je me prépare déjà. Hop. Je sais pas avec qui je suis. Ah, je me mets là, vas-y. Mais là, qu'un mec se met derrière moi. Oh, allô. Ouais, moi, y a un mec qui est pas avec moi. Hein. Et à quoi c'est bon. Ok, sur le côté, devant la lame. C'est là. Ouais, c'est là où. Ouais. Tranquille, on est tellement les gouttes. Faut bouger pour la tornade. Ouais, la tornade ça dépendra de qui la prend. Si c'est arrière ou avant, on verra. Ok, ça va venir. Comment tu fais? C'est avancé. Et là, il y a un safe spot là, je crois ça. Ouais, il y a un safe spot devant, il y a une ligne devant. Mais tranquille, après, ce sera à nous de bouger dès qu'il y aura les chaînes. Oh bah là, je suis trop le goût de ce jeu, c'est une dinguerie. Bah en vrai ça va, tu vois, c'est pas... C'est dur, mais... Ok, il y a les chaînes. Tu te rappelles, là t'attends les chaînes. Ok. Oh là, je vais me faire envoyer dans le vide, là. Ok, ça va. Oh mais magnifique. La je sais pas qui break. Est Mungo, mais c'est le goût, voilà, je le dis. Là c'est le truc de... c'est sur le raid, on s'en branle. Ouais. Les heals vont appuyer sur leur bouton, on espère, et puis c'est tout. Hein. Exactement. Bon là c'est le moment... là c'est le moment XD bro. J'espère que Tsubasa est bon. Allez Tsubasa. Je te suis mon grand. Sois fort. Moi, sinon il y a deux morts. Bonne chance à lui. Voilà. C'est quoi les lames là? C'est in ou out? Ah il fait des trucs là non. Et c'est in. C'est in et à droite faut être. Attends. D'abord ça, hop. Voilà. Je mets mid là. Merde! Oh je me suis arraché. J'aurais dû mettre là. Je me suis mid là comme un connard. Je sais pas ce que je dois faire. Bah rien là. Là tu tapes. T'inquiète, je colle Tsubasa au calme. GG. Ah, tu sais pas quoi faire, faut juste coller Tsubasa. Exactement. De la strat.
positionner comme une merde. C'est la ligne. Mais c'est bon, ça passe tranquille en fait. Hein. Attends, mais Marlon est mort. Le range 2 est mort. Ah, mais après, ça fait qu'il y a un dot en moins. Donc ça va. Sur ça, c'est fine d'avoir un mort justement. Et on s'en fout en fait. Marlon est juste, il est juste trop gaze au jeu. Hein. Ah oui, attends, là, il fait des... Oh putain, c'est vrai qu'il tape en même temps. J'avais oublié ça. T'es encore même côté ? Ouais. Autre okay. côté ? Ouais. Putain, tellement pissisi ce boss, c'est une folie. Ouais, faut aller loin de Kayana là. Mais tu sais que ça passe easy hein, la mount va drop first try hein. Là c'est win hein, là je te jure que là c'est la mount hein. Ok, c'est sa transcendance. J'ai le temps de balancer un autre Midare là, mon rêve. Moi j'ai le temps. Pff, tellement simple ce boss. Alors qu'au début on se s'est arraché. Ouais. Ok, GG. Et regardez le butin 5. Butin 5. Oh putain, dégoûté. Oh, c'est bon, frère. Un vieux rouleau. Un vieux rouleau de merde, là. Là, je suis abattu, la team. Ah, vas-y, nique ça. Le rouleau qui se vend 0 en plus maintenant, je crois. Mais c'est toi qui l'as eu en plus. Ouais, je l'ai eu. Let's go. Je vais le mettre en vente. J'espère qu'il va partir pour un petit prix. Si jamais il y a un viewer qui veut un rouleau, les gars, c'est un rouleau super rare, je le vends 1 million. 1 million le rouleau qu'on vient de drop là. Mais des ridicules. Non mais en vrai, c'est un prix d'ami, hein. C'est un prix d'ami. C'est dur, chien, de commencer le jeu tout seul. Bah, c'est un MMO, c'est toujours plus agréable en groupe, je pense. No cas, mais en vrai, la commu est assez accueillante, je trouve. Et en vrai, vu qu'il y a... eu pas mal d'OP dans nos communes récemment, il y a pas mal de monde qui s'est mis à jouer, genre par exemple sur mon Discord, tu peux venir sur le Discord, tu mets le rôle FF14, il y a pas mal de gens qui jouent et des mecs qui sont assez expérimentés, donc en vrai si t'as besoin d'aide ou quoi, il y a des gens qui pourront répondre à tes questions et peut-être jouer avec toi. Hein. Bah on est obligé d'aller faire l'autre hein, Sacor, non ? Bah je crois hein. Tous mes rouleaux. C'est que ça enchaîne instant, j'en ai rien à foutre. Tu sais que l'autre va nous reprendre la monture ou pas? Vas-y. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait l'autre. J'ai fait tellement moins de fois, j'ai fait genre 8 fois, l'autre j'ai fait 25 fois. Celui qu'on vient de faire là? Ouais. Celui qu'on vient de faire, j'ai fait 25 fois et celui-ci j'ai fait que 8 fois donc je risque de. Run down un peu. Il y a une guild Solari qu'on peut join sur FF. Non, il y a eu des histoires à l'une d'époque, il y avait une guild Solari sur FF14. Mais depuis elle a disparu dans le néant. Il y a eu des petits problèmes, il y a eu des petits couacs. Je devrais en créer une de guild plutôt que de faire le truc intermonde là. Vrai, mais je crois que guild. Mais c'est que dans le même serveur. Ouais, c'est que dans le même monde. Genre là, ce serait que les gens de Moogle. Et genre Tsuba et tout, ils pourraient même pas venir, ils ont leur guild à eux avec une maison et tout, je crois. Je suis avec Tsuba en D4. De rien. B3. Il y avait la guilde avec le Big Y à l'époque. Bref, c'est que moi si je fais une guilde, bah, je serais sur Omega. Et bah, du coup, faudrait être sur le même monde et tout, c'est galère un peu. Moi, je trouve les Inchel, c'est bien. Go transfert. De celui-ci. Je lui demander qu'à la monture de celui-ci, on va voir. Personne. Ok, il y a quelqu'un. Ah, attends, c'est d'accord, t'es où là? T'es là? Ah ouais. Prends ça. T'es en train de me pisser dessus là? Ouais, regarde, j'ai même la version. Ah, la version caca? Ouais. T'es cool, tous les vieux.
partais avec tous les violons. À chaque fois que je faisais du FF14, je faisais les quêtes pour monter. J'avais 8 viewers qui me gankaient et ils se mettaient à chaque fois en dessous de moi dans les quêtes et ils étaient là. Les débiles de fou. Vraiment, c'est, les c'est horrible. Hein. Quand il y en a 5 ou 6 qui le font, tu sais que vraiment c'est infernal. Hein. Attends, mais Marlon il a 84. Et comment on a les mots? Il me faut les mots, hein. Je sais pas, on me l'a donné. Quoi? On peut te donner des émotes? Ouais, je crois. Je me souviens même plus de l'ordre des spells. Oh oui. Je crois au début il y a un tank buster de con. Mais le début ça va, non? Ah non, ah, au oui, début c'est. À droite. Tsuba qui va encore prendre sa ligne de fou. Non, mais Tsuba il a une strat de fou. Notre rôle. En fait, faut aller au tout début, faut aller genre un petit peu ici, et après faut aller devant la flèche, genre là, là, ouais, voilà. Et là, t'es bien là. Et là, là, t'as plus besoin de bouger, tu peux juste DPS là. Magnifique ça. Hein. Oh putain. Oh. Là, surtout, tu vas prendre de vue le nez parce que sinon, tu perds des dégâts et ça, ça pète les couilles. Autant l'autre, tu prends juste des dégâts en plus, lui, tu perds des dégâts. Éruption, je crois. Après pylône. Ouais, là c'est pylône. Non, non, ça c'est juste le red white. Là c'est volcan, à droite. Volcan, ouais. Ne pas le bouger, ne pas nos pieds. Après c'est pylône. Ah non, c'est groupe. Middle. Middle, ouais. Groupe à deux, au calme. Des dégâts, frère. Là faut bouger. Et là c'est les pylônes. Ouais. En face. À droite. Ça va. Il rigole pour l'instant. FF. FF, il a changé d'endroit, c'est perdu. Oh le bâtard. Ah c'est vraiment FF. Hein. Groupe. Ah, groupe à 2 et à 5. En avance. Oh j'ai slack comme un cafard. On va prendre cher. Oh, ouais. Wesh. C'est quoi ça? Bouge. Ouais, faut pas arrêter de bouger. Gauche. Putain, j'en prends des dégâts. Tilou, merci. Voilà, faut aller devant. Fond de salle, je crois. Oh non, putain, non. C'est droite et gauche. Oh. Oh, j'ai tellement le gauche, j'avais tellement. Oh, tout ça m'a Instagram de l'autre bout de la main. Quoi, les éclairs, c'est juste on prend ça, c'est tout on prend, c'est juste cher. Ah, je connais tellement les mécaniques parfaitement, ça fait trop plaise. T'as tout pris? Bah non, mais en fait j'étais à l'autre bout de la map et Tsuba m'a grab. Mais vraiment c'est nous, hein, qui se fait grab, hein. Bah c'est pour opier le DPS, c'est sérieux quoi. Oh, respect. Oui, ça c'est les pylônes de mort là. J'ai tellement pas de CD là pour les pylônes. On met du temps à tomber ce pylône, hein. Ça va en vrai. C'est la moyenne là. Je pense pas, hein. Là je pense qu'on est lent. Là on va au milieu, on est bon. Ouais, ça va, 60 ça va. C'est au calme, hein. Ouais, ça va. 60 c'est ok. Là c'est le red wild. Ouais. Au 60 c'est la moyenne basse, hein, je pense, c'est notre rôle, hein. Ouais, je pense avant. Là ça va être la phase de burst. Ok.
quoi là c'est. Là c'est juste il change de zone, donc c'est vent first. C'est relou le vent. Non ça va. Ouais. Je prends un grand fan du vent. Je trouve que glace c'est plus dur. Bah glace il y a beaucoup plus de trucs. C'est compliqué. On a où eux. Il veut faire quelle plume ? Il veut faire celle du front. Celle de devant ? Ok. Il veut le faire l'autre ? Ah ok merde. Pas passe. Allez. Et éclair en bas. Glace en haut. Tire quand même. Il faut aller middle de ça, il va faire un spell je crois. Ouais. Tu sais les piliers sur le côté là. Non c'est quoi ça c'est au fond salle, du haut. Fond bouge, fond de salle on bouge, non fond de salle on bouge. Ah oui oui, il y a même pas de, il y a pas de duo ici. Duo c'est que dans le feu. Ouais. Middle c'est avant. Ouais, middle avant bien. C'est tellement pissy, je reviens pas. C'est un extrême ça. Pas de faire. Là je reste en haut. On voit middle, il va faire un spell. Après faudra bouger. Middle. Middle et on, middle et on sort. Du middle. Après il va changer de plan. J'ai... Mais Marlon il a 84 totems, on est obligé de lui laisser sa monture hein. MDR. Ah oui c'est ça. Swifties. La glace. Tank devant et en groupe de 3. Ouais. T'as pas oublié mon salaud, t'es bon hein. Ouais. Je crois qu'il y a un spread. Non c'est après. Ah c'est l'avalanche là. Okay. Avalanche est à l'avant. Ouais. Ah c'est quoi ça? Ah c'est... Ah, faut aller là. Gauche et droite. Oh putain, faut aller à l'autre bout. Ah, c'est tellement loin. Je vais pas là, attends. Je vais pas là, attends. Ah, si. J'étais là, attends. Spread. J'ai pas fait une next mécanique et c'est tranquille. Ouais. C'est le truc où. Commence à gauche. Bien. Ouais, l'avant, je me mets bien doux. Ah. Ah. J'ai pris une. Cool, mais ça va. Marlon, c'est déjà. Attends, attends, 5, 2 On s'en a 2. Ah oui, c'est vrai, il n'y a que arme ici. Putain, allez, trop dur, quitter, c'est truc, bon, hein. Go next. Trop dur d'avoir les... la monture. C'est 1%, je crois. Je sais plus, c'est 1% ou plus. Je pense que comment les micro-changements de Samurai Wesh, ouais, c'est 1%, c'est 1%. C'est l'enfer, c'est impossible d'avoir ça. Hein. Ah, surtout que quand elle drop, c'est genre 1 sur 8 quoi. Oui, là c'est 1 sur 7 parce que Kyoza il a déjà, mais ouais, c'est impossible. C'est t'as fou. Combien de totems? J'en ai, sur celui-ci, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 9. Je sais pas lequel c'est. Totem de la calamité des cieux. Et sur le totem du souverain opiniâtre, j'en ai 20, mais j'en ai 5 pour un bijou.
J'ai 5 et 7. Oh, le noob. 5 et 7, le gros noublard. Non, Khalil il est pas dans le groupe, pire. Bah GG, on a tout clair. Hein. Bah ouais, on a tout fait, hein, écoute. Hein. On est les goats. Hein. Faut juste... En fait, il faut le sadique, parce que là, c'est un peu trop chill, quoi. Ouais, ça... Après, farme de monture, ça rend heureux. Hein. Moi, je sais que j'ai fait des soirées à essayer de farm la monture, là, sur Zoralja, mais ça tombe jamais, hein. C'est impossible. Hein. Ouais. Stray m'a dit en DM que il était chaud de tester le raid une fois dans la semaine. Vas-y, chaud, carrément. Bien. Donc, je pense que je vais lui dire en DM qu'on fera sûrement la semaine prochaine, quand il y aura le reset de nos... De nos tokens. Ouais, carrément. Comme ça, on pourra faire les comme ça, on peut le refaire et on peut le dire. Et puis, on peut faire les extrêmes après avec lui. En vrai. On va prendre un petit pantalon. Après, on ira à Saint-Savoir pour voir, prendre d'autres subs de pièces de stuff. Là, il y a quoi? Ouais, on verra. On verra après. On les mains, je demanderai à Tsuba parce que si on doit prendre des pièces la semaine prochaine qui sont, tu sais, un peu en. Au pire, on fera plusieurs fois le raid. Oui, voilà. C'est-à-dire, tu sais, que Stray doit prendre les mêmes pièces que nous ou quoi. Ouais, vas-y. Mais il m'a dit en DM qu'il était chaud de tester un petit peu, donc on verra avec on verra s'il veut semaine prochaine. Là aujourd'hui il pouvait pas parce que il m'a dit qu'il devait banque des games, sinon il dit qu'il y est, je pense. Ah, okay. Donc, la classique. Il était en vacances, je crois. Il a pas stream depuis quelques jours. Bref, bah ça part sur un cut hein, de mon côté, je pense. Vas-y, hein, écoute, moi j'ai regardé vite fait les cinématiques du raid là, voir un peu l'histoire du raid, mais si je les trouve pas, donc, au pire je cutterai donc. Vas-y, voilà. Vas-y. Bah écoute, Robas, c'était un plaisir, merci à toi. On se tient merci. En courant. Vas-y, ça marche. Et bonne fin de semaine, j'espère que vous allez gagner en LFL. J'espère aussi. Et bien, c'est bonne vrai. Chance, d'accord. Yes. Merci Robas, bisous. Salut, bonne soirée. Vas-y, bonne soirée à toi aussi, ciao. Bah voilà, on a clear un petit peu le contenu additionnel qui avait été rajouté avec les 4 raids qui sont sortis et tout. J'espère que ça vous a plu un peu cette session sur FF14, même si c'était assez expéditif. J'ai pas spécialement de temps à faire. C'était juste un live que je devais faire pour justement remplacer le fait que j'avais pas fait le contenu que je devais faire sur justement le voyage à Berlin et tout. Mais franchement, c'était grave cool de faire le raid. En plus, ça, moi, ça me permet d'avoir du stuff en plus, donc c'est nickel. Semaine pro, faudra que je fasse un peu encore du stuff parce qu'il me faudra encore des tokens pour du coup les jambes. Donc, il faudra que je prenne une jambe, deux mains, je pense. Et après, de façon tête. À son torse et arme, c'est trop cher, donc ça prendra un peu plus de temps, mais c'est fine. Il n'y a pas beaucoup de boss sur FF14 qui ont des mécaniques dans le désordre, ou alors c'est 2-4 patterns faciles qui reviennent faciles à retenir. Je vais essayer, mais ça va être dur. En vrai de vrai, je suis un petit peu gaze au jeu, quand même, pas se mentir. Donc forcément, voilà, je fais ce que je peux faire, mais ça va être ultimate et tout, c'est quand même du contenu bien plus chaud pour moi. Donc attends. Merde. Envoyer un petit message. Là, j'attends, hop. Je voulais me craft mon parchemin. Je crois que c'était celui-ci en vrai, c'était ça. Seeking Purpose. C'est bien plus chaud, mais les deux premiers généralement sont équivalents de l'examen. Ok, bah de toute façon, on essaiera de faire ça. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, de toute façon, FF14, c'est un jeu que j'adore, mais j'avais pas spécialement fait beaucoup d'extrêmes et tout. Et là, le fait de faire des extrêmes, ça m'a mis un peu dans une boucle où j'ai essayé de les farm pour avoir les montures. Sauf que les montures qui tombent à 1%, c'est quand même assez chaud à aller chercher. Mais franchement, c'était grave cool à faire quand même. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vais essayer de les refarm un peu off-stream les montures. Même si là, bah, du coup, si jamais je veux l'avoir de manière legit sans qu'elle drop, il faut que je farm encore l'extrême 79 fois. 74 si seulement j'avais pas été con. Mais franchement, 79 c'est long, hein. 79 c'est long, surtout qu'il faut un bon drop et tout. Le drop rate est faible, c'est 1,5%. Sérieux, 5%? On m'a dit que c'était 1%, voire moins, et que lorsque les prochains patchs sortaient, les taux de drop augmentaient. Mais qu'à la sortie des extrêmes, c'était à 1%, voire 2, mais pas plus. Sachant que j'en ai plein qui l'ont fait genre plus de 50 fois l'extrême et qui l'ont jamais vu à la monture. Moi, je l'ai fait 25 fois, je l'ai vu une fois. Donc, franchement, je trouve que c'est quand même pas beaucoup. Après, dans les stats, 25 fois une fois, c'est dans l'idée, si c'est à 5%, c'est logique. Mais j'ai des gens qui l'ont fait genre 50-60 fois et qui l'ont pas vu du tout. Enfin, je suis dans la 1. Là, il y a Aqua qui va me forger mon parchemin de musique, et donc c'est King Purpose. Et ensuite, je le mettrai dans la chambre, là. Comme ça, je peux regarder. Par contre, je suis dégoûté, je peux pas regarder les cinématiques du raid qu'on vient de faire. Donc, des raids qu'on vient de faire, je peux pas regarder la cinématique. Je sais pas pourquoi je peux pas.
la joue à Soldier 3 avant, j'étais pas là aujourd'hui, je viens d'arriver. Ouais, j'ai joué avant. J'ai été chill, j'ai avancé un peu. Et demain, on rencontrera Triss. Demain, les amis, première quête de la journée, rencontre avec Triss. Donc, ça va être sympa. Mais aujourd'hui, j'ai fait que des quêtes secondaires, donc t'as pas loupé grand chose. Quête secondaire, contrat de sorceleur et chasse au trésor. Comment savoir. Après, j'ai fait une quête qui est grave cool. Un guild pour qu'il me fasse ma musique. Là, il peut craft la musique direct. En vrai, avoir les métiers sur le jeu, ça doit être trop OP pour pouvoir faire de la thune. Regardez, là, il est en train de me craft mon rouleau de musique avec justement son métier. Je crois que c'est alchimiste. Des alchimistes qui peuvent le faire. Moi, je suis juste pêcheur, moi. Moi, j'ai pas fait des jobs du tout. C'est OP qu'à la sortie des patchs, ok. Ah mais justement, à la sortie des patchs, tu te fais des thunes, des couilles en or, non? Genre j'imagine les mecs qui craftent les stuff aussi, les mecs qui craftent les stuff, ils sont des thunes de taré, hein. Tu sais que dans la link shell qu'on a là, le mec qui va craft le stuff de la guild, il se fait genre 20-30 M quoi, facile. Non mais c'est OP, laissez-moi, moi aussi je veux goûter. Moi aussi je veux goûter à ça. Hop, j'utilise. On va mettre la musique dans la chambre. Hein. Voilà, donc là j'ai mon rouleau de musique. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et Aldé, je crois qu'il a abandonné FF14, mais il reviendra un jour, en vrai. Jusque là, il a pas eu le temps d'y rejouer là avec les trucs qu'il a fait, mais en vrai, il y a moins qu'il revienne plus tard. Hein. Les défis. Ah, c'est la musique de Zoralja directement dans la chambre, ok. Non mais dégoûté par contre, j'ai pas les musiques, pas les cinématiques de... Les cinématiques du raid, ça fait chier. Ça fait chier. C'est annexe peut-être. Quelle dépalée, non. Putain, j'ai pas la quête des raids, j'ai pas les cinématiques des raids. J'ai les cinématiques des donjons mais on s'en fout. Peut-être les raids, ah non raids. Ah nice. Ah nice, je pourrais regarder l'histoire du truc. Ok, parfait. Je vais regarder vite fait l'histoire du raid. Ouais, 0 VOD de FF14 sur YouTube sur Don't Train. Il y en a une qui va arriver là. Il y a un best-of qui va arriver à Izéjal. Il y a aussi une vidéo là du live qu'on a fait. Je vais mettre la VOD sur YouTube. YouTube replay tranquille, mais ça arrive fort. Il fallait juste que je valide le best-of parce que j'ai fait faire un best-of par un monteur et tout pour que ce soit cool. Voici notre jeune et féroce combattante qui réduit ses adversaires. T'as bien aimé les raids, j'ai grave kiffé les raids, ils sont grave stylés. Attends, ça on a regardé ça déjà. Et ça j'avais regardé. On n'a pas les cinématiques des. On n'a pas les cinématiques où ils parlent. Et j'espère, hein, le downthinking, j'espère, j'en pleure. Hein. Ouais, ça, on a regardé aussi. Ah, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a pas les cinématiques de quand ils parlent entre eux. Il y a pas. Dégoûté là, il y a pas les dialogues et tout. Dommage. J'ai adoré la brute bomber et son super style. Ouais, la brute bomber est grave stylée. Et même la dernière. Hein. La meuf électrique, exceptionnelle. Onibi, j'ai moins aimé. J'avoue que la meuf avec son gros dard, là, l'abeille, j'ai un peu moins aimé. Mais en tout cas... Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouvera donc demain dans les alentours de 11h. On relancera un live du coup pour faire un petit peu de The Witcher. Et ensuite, à 13h, on fera une session multi avec Aldé, avec Stray et avec Wax. Donc ça va être assez sympa. Ça va être sur un jeu qui s'appelle Deep Rock Galaxy.